Bonjour, je me présente. Je suis Cindy Jacques-Richol, la vice-présidente de l'association Élèves Ingénieurs Guadeloupe. Donc, l'association a pour but de réunir les futurs ingénieurs au cours de plusieurs activités et aussi justement de créer un lien entre les ingénieurs qui sont diplômés et les futurs ingénieurs. Donc, je suis Henri Josué, étudiant en troisième année de formation d'ingénieur à l'Université des Antilles. Donc, cette formation nous permet de nous spécialiser vers la production d'énergie, donc qui est photovoltaïque ou éolien, mais aussi une partie industrielle, donc avec des machines à courant continu et toutes sortes d'autres machines. Donc, à long terme, cette formation nous délivre un diplôme d'ingénieur qui nous permet de nous insérer dans le bassin caraïbien. Dans la formation d'ingénieur, nous essayons de créer ou d'optimiser de nouveaux matériaux, comme les matériaux composites, les nanomatériaux qui vont nous permettre d'améliorer la résistance, la capacité du matériau à s'adapter au climat caraïbéen. Dans le long terme, j'aimerais créer ma propre entreprise pour le recyclage des matières automobiles afin de pouvoir les recycler et d'augmenter leur résistivité au climat caribéen.